Salut tout le monde, c'est Chirelle. On se retrouve donc sur un nouveau jeu sur la chaîne. Merci à toi, Mule de Bocon 1979, pour ton follow. On se retrouve donc sur la chaîne pour un nouveau jeu que j'ai testé pendant quelques semaines en live. Vous m'avez vu dessus et vous m'avez vu bien galérer. Qui n'est autre que Planet Zoo, qui est sorti le 5 novembre 2019. Il est au prix de 44,90€ sur Steam hors promo. Et il y a deux DLC qui sont disponibles, le Arctic Pack qui est à 9,99€ hors promo toujours, et South America Pack qui est lui aussi à 9,99€ hors promo. Alors, le South America, c'est-à-dire le continent américain sud, apporte 250 éléments supplémentaires plus 5 animaux uniques issus de ce continent, le jaguar, le lama, le sapacou capucin, le tamanoir et la rainette aux yeux rouges. Le DLC arctique, lui, apporte de nouveaux scénarios, de nouveaux défis, lui aussi 200 éléments de plus d'environnement de construction, 4 nouveaux animaux, l'ours polaire, le renne, le loup arctique et le mouflon de dalle. Et pour les scénarios, vous avez l'ajout du Mexique et de la Norvège. On va voir tout de suite les trailers de ces deux DLC.
on a vu donc le DLC Arctic. La première bande-annonce vous présentait le jeu Planet Zoo. La deuxième vidéo était le DLC Arctic. Et la troisième était le DLC l'Amérique du Sud avec tout ce que ça vous apporte dedans. Donc comme je vous disais, le pack du continent sud-américain vous apporte plus de 250 éléments supplémentaires au niveau du build, de la construction, etc. Et 5 animaux uniques supplémentaires. Le DLC Arctic, lui, vous apporte des scénarios nouveaux. Plus de 200 éléments, ça fait... Il y en a déjà beaucoup dans le jeu de base. Donc 250 pour le continent sud-américain. Et 200, ça fait 450 éléments d'environnement de construction, donc en plus. Et 5 animaux pour le pack sud-américain. Et 4 pour le pack arctique. Donc ça fait déjà pas mal, plus des nouveaux scénarios sur le Mexique et la Norvège. Voilà. Donc à savoir que dans la version quand même de luxe de Planet Zoo, si vous ne le savez pas, ils ont ajouté, mais ça c'est valable que pour la version de luxe, il y a le dragon Komodo, la gazelle le Thompson et l'hippopotame nain que vous n'aurez que dans la version de luxe qui évidemment coûte un peu plus cher que la version normale. Donc là, c'est à vous de voir, mais bon, il y a tellement de choses à faire dans la version dite normale du jeu, hein, celle que j'ai là, que bon, à vous de voir après si vous préférez pour payer un petit peu plus cher pour avoir trois animaux que vous n'aurez pas si vous n'avez pas la version de luxe. Les développeurs et les éditeurs de ce jeu sont Frontier Développement. Ils sont connus pour leurs jeux comme Planet Coaster, qui est un jeu de gestion aussi simulation de parc non pas animalier mais de parc comment on appelle ça? Je cherche mes mots. De parc de fêtes foraines en fait, voilà, c'est ça. Parc de fêtes foraines, pareil, même système, c'est même développeur, même éditeur. Ils ont aussi fait Jurassic World, Zooticon, entre autres. Mais ça, si vous regardez, vous trouverez toutes les infos sur eux. Ils n'en sont pas leur premier jeu de simulation gestion. Donc là, c'est vraiment le jeu Planet Zoo dans sa finalité. C'est pas la version bêta qu'on voit beaucoup sur YouTube. C'est la version finalisée. Donc on va y aller, on va regarder, je vais vous expliquer les différents modes que vous avez pour jouer à ce jeu. Et après, on passera dans un autre live, je vous montrerai le mode carrière, comment ça se passe, le mode franchise, le mode défi, le mode bac à sable, etc. Donc là, c'est juste une présentation qu'on va faire, comme ça vous savez ce que le jeu vous propose dans sa globalité. Et croyez-moi, il y a des heures et des heures, voire des mois et des années de jeu si on fait tout ça. Donc Planet Zoo est un jeu de simulation de zoo, mais moi je préfère dire une simulation de parc parce que ça a pour but la protection animale. Vous devrez gérer votre parc, prendre soin des animaux, de vos visiteurs, mais vous pouvez aussi créer votre parc de A à Z selon votre créativité et votre imagination. Et là, vous le retrouvez dans le mode carrière, franchise, défi, bac à sable. Donc vraiment, il y a un énorme panel et énormément d'heures de jeu. Moi, je le trouve un petit peu cher, bien qu'il en vaille la peine, hein, parce qu'avant d'en avoir fait le tour, vous en avez pour un moment. Il est très gourmand, par contre, faites attention si vous n'avez pas des machines qui tiennent bien la route. Allez dans les options, mettez un graphique moyen, ça suffira amplement, vous y verrez aussi bien que dans les versions élevées. Et faites attention aussi au niveau de la pluie, parce que la météo rentre en jeu aussi. Quand il pleut, etc., vous pouvez avoir énormément de lag. Donc ça, c'est en fonction de votre machine, mais vous pouvez tout régler dans les paramètres du jeu quand vous lancez votre partie. Mettez-le en graphique moyen, si vous n'avez pas une super bécane qui suit la route. Donc, c'est un jeu éducatif, ludique, qui nous sensibilise à des sujets comme l'extinction animale de certaines espèces, les espèces en danger, l'écologie et bien d'autres thématiques. Et là, on découvre effectivement que ben, on ne savait pas que tel animal était en voie d'extinction, on ne s'en doutait pas. Donc, on apprend énormément de choses et c'est assez sympa d'avoir un jeu où on se remplit un petit peu le cerveau et où on doit faire travailler nos neurones. Voilà. Donc la gestion du jeu est très poussée car elle va réagir au moindre de vos décisions. En plus de gérer le bien-être de vos animaux, vous aurez aussi à gérer le côté mécanique de votre parc, c'est-à-dire le bon fonctionnement de celui-ci, contrôler régulièrement la solidité des enclos que vous allez créer ou
que vous aurez dans le mode carrière à faire, des générateurs, des filtreurs d'eau, je vais y arriver, qui servent à purifier l'eau que boivent les animaux pour éviter qu'ils tombent malades. Vous devrez aussi faire des recherches sur les animaux afin de les upload, si je peux dire. J'irai ainsi, car oui, vous allez faire des recherches sur la girafe, par exemple, sur le lion. Ça va vous débloquer des choses et vous allez upload les optimisations qui concernent les animaux, les jouets, l'alimentation, etc. Donc, il ne faudra pas oublier de faire des recherches, mais aussi faire des recherches sur les maladies qui vont les toucher, sur les magasins que vous aurez dans votre parc pour débloquer des choses. De toute façon, il va falloir faire des recherches sur tout, et on verra ça de toute façon dans le prochain live. Il va falloir faire des recherches sur tout de façon à upload tout votre zoo, c'est-à-dire le faire monter, de débloquer des choses et d'avoir accès à énormément de choses, ce qui au début est un petit peu restreint, ce qui est normal. Le bien-être de vos visiteurs, bien sûr, n'est pas à négliger, car ce sont eux qui, via vos boutiques de souvenirs, etc., vos boutiques de nourriture, vos boutiques de boissons que vous allez placer, etc., vont financer votre zoo via un système de boîtes à dons. C'est-à-dire quand ils vont aller vers les enclos, il ne faudra pas que vous oubliez de poser des boîtes à dons, de façon à tout simplement à ce que les gens fassent des dons, parce que c'est eux qui vont, via ces boîtes à dons, financer votre zoo. Donc si vous ne voulez pas tomber dans les emprunts bancaires, ce qui est possible, mais alors là vous êtes complètement bloqué, je sais pas, votre animal il manque de quelque chose, vous avez fait un prêt bancaire, vous êtes bloqué, en fait vous pouvez rien acheter. Donc si votre animal par exemple il a trop froid et qu'il vous faut mettre dans votre enclos un chauffage, ben, vous ne pourrez pas l'acheter tant que votre emprunt n'est pas fini. Et autre possibilité, ben, c'est que vous pouvez tomber dans la banqueroute, vous pouvez avoir vos animaux qui vous sont saisis. Enfin voilà, donc à vous de bien gérer tout ça et de ne rien négliger. Il y a un système aussi de mode en ligne qui va vous permettre de partager vos parcs ou de voir les créations des autres joueurs via le workshop. Et comme je vous disais tout à l'heure, ne pas oublier la météo, car elle aura un impact direct non seulement sur vos animaux, mais aussi sur les visiteurs. Parce que quand il pleut, quand il neige, voilà, il faut quand même attirer du monde dans votre zoo. Vous allez donc débuter votre partie en créant, alors moi je ne vais pas le faire là à l'écran, je vous montrerai ça quand je vous ferai le live sur le mode carrière, puisque c'est le premier mode à faire dans le jeu, si je peux le conseiller. Vous débuterez votre jeu en créant votre avatar qui est personnalisable de la tête aux pieds. Alors, soit vous faites un avatar qui vous ressemble comme deux gouttes d'eau, soit vous pouvez faire un avatar complètement euphorique qui ressemble à rien, mais enfin, ça. C'est vous qui voyez. Une fois cela fait, vous le posez sur le globe qui est à l'écran où vous le souhaitez. Et ce sera en fait votre QG, mais vous serez quand même amené de toute façon à vous déplacer dans le monde entier afin de voir tous les différents biomes, les différents animaux. Ce que vous pouvez trouver dans le mode prairie ne sont pas les mêmes que vous allez trouver dans le désert, etc., etc. Donc vous serez amené de toute façon à vous balader dans le monde entier et régler les besoins de chaque animal, car ils ont tous des caractéristiques qui leur sont propres. C'est-à-dire que le lion ne va pas avoir les mêmes besoins que l'ours polaire. Si vous avez le DLC, vous comprenez bien que si vous mettez l'ours polaire dans le désert, vous avez intérêt d'avoir un enclos qui est aménagé pour cela, avec de la neige, etc., etc. Donc ça, tout ça, c'est à vous de le gérer, mais on le verra ensemble. Donc dans ce jeu, vous avez plusieurs modes qui vous sont proposés. Vous avez le mode carrière, le mode franchise, le mode défi et le mode bac à sable. En bas, mes zoos, c'est tout simplement un endroit qui vous permet de sauvegarder vos zoos et de partager vos zoos avec la communauté, parce qu'il y a un système de mode en ligne selon où vous jouez. Dans quel mode vous jouez? Vous avez le mode en ligne qui vous permet d'échanger avec les autres joueurs. Vous pouvez sauvegarder vos enclos, par exemple, ou vos constructions que vous avez faites, et les mettre dans le workshop, ce qui permet que les autres joueurs, si eux, par contre, ne savent pas builder, ne savent ou n'ont pas d'idées, ils peuvent très bien trouver dans le workshop des créations d'autres joueurs qui sont des fois super magnifiques. Il y a des magnifiques zoos à voir, mais ça, je vous laisserai regarder sur YouTube si ça vous intéresse.
Donc, on va parler en premier du mode carrière. On a vu qu'il fallait d'abord créer un avatar, le personnaliser et le poser sur le globe. Dans le mode de carrière, que je vous conseillerais de faire en premier, car il sert, je dirais, de tuto, mais pas que ça. Il sert de tuto, il vous aide à prendre en main le jeu. Et croyez-moi, si vous passez pas par là, ça va être chaud pour le mode bac à sable, etc. Donc, je vous conseillerais, parce que même au niveau tuto, par moment, ça coince, hein, y a du mal, il y a du mal. Alors, en plus, ce qui n'est pas négligeable, c'est que via ce mode de jeu, vous débloquerez des étoiles d'or, de bronze ou d'argent, sachant que le bronze et l'argent sont les étoiles directrices de votre aventure. L'or, lui, vous débloquera plutôt de nouveaux scénarios qui sont un peu plus complexes que les autres scénarios. Vous serez amené à remplir des missions sur différentes thématiques qui vous aident à bien comprendre la mécanique du jeu. Et croyez-moi, je peux vous dire, vous m'avez vu en live, c'est galère, c'est très galère. Surtout quand on n'est pas habitué, si vous n'avez pas joué à leur jeu précédent comme Zooticon, comme les parcs d'attractions, etc. Et que vous débutez dans ce style de jeu, je peux vous garantir que vous allez galérer. Mais bon, le prix en vaut la chandelle. Je le dis franchement, le prix en vaut la chandelle. Alors attendez les promos, hein, ou essayez de voir si vous ne pouvez pas l'avoir moins cher. Mais franchement, le jeu en vaut la chandelle. Vous avez des millions d'heures de jeu dessus. J'ai vu des zoos sur YouTube, franchement magnifique. Je ne sais pas combien de temps ont passé les personnes. Vous m'avez vu en live, moi, en bac à sable, où on peut créer nos propres zoos, mais on y reviendra dessus. Vous avez vu le temps que j'ai passé, ne serait-ce que pour faire l'entrée. Voilà, donc il y a une semaine, j'ai mis une semaine pour faire une entrée. Voilà, donc après évidemment, il y a tellement de possibilités au niveau du menu, les rotations, les alignements, etc., etc., qu'il faut bien tout comprendre. Vous pouvez faire d'un pot de fleurs que ça habille le haut d'une colonne. Enfin, c'est vraiment ouvert à énormément de choses, mais on y reviendra dessus. Vous avez ensuite le mode franchise. Ce mode-là vous permet de créer des parcs sous votre propre franchise dans le monde entier. C'est-à-dire que quand vous allez ouvrir le mode franchise, vous allez appeler votre zoo, votre parc, pardon, le parc du paradis, j'en sais rien, je dis un nom au hasard. Et ça va être votre franchise, c'est que vous allez créer des parcs du paradis dans le monde entier. Voilà, vous allez être amené à gagner aussi des points qui vont vous servir à adopter des animaux afin de développer vos parcs, la procréation aussi, ou reproduction, si vous préférez, pour les animaux en danger, afin de les relâcher dans la nature. C'est un mode où vous allez devoir participer activement à la protection animale, à leur sauvegarde et à la repopulation des espèces en danger. Vous aurez accès au marché des animaux en ligne, ce qui va vous permettre d'échanger ou d'avoir des animaux avec les autres joueurs qui sont eux aussi dans le mode en ligne. Ce qu'il faut savoir, c'est que cela ne sert à rien de garder des animaux de la même famille, car quand ils vont se reproduire, car sinon, quand ils font des petits, que les petits deviennent adultes, ils vont se reproduire entre eux. Et le problème que ça va entraîner, c'est un problème de consanguinité. Donc ça va vous donner des animaux avec moins de gènes, parce que chacun a des gènes de reproduction, de fertilité, de santé, de maladie, s'ils sont réceptifs ou non aux maladies. Donc quand vous adoptez, il faut faire attention à tout ça, mais on verra ça aussi en détail. Donc évitez de garder des animaux issus de la même famille pour éviter les problèmes de consanguinité et de ne pas avoir des animaux qui ne sont pas avec de bons gènes, quoi, en fait. Donc n'hésitez pas soit à les relâcher dans la nature, ce qui vous donnera des points en forme, comme je dis moi, de feuilles, parce que dans le jeu, vous avez des points avec des feuilles, des petites feuilles. Vous pouvez acheter des animaux ou autres avec des feuilles, mais attention, elles sont pas énormes, hein, vous n'en avez pas des tonnes. Donc c'est quand vous relâchez des animaux dans la nature que vous les gagnez, soit vous les mettez en vente au niveau du marché. Et là, si vous êtes en ligne, ben, d'autres joueurs qui veulent par exemple des girafes et vous en avez mis à vendre vont peut-être prendre les votes selon s'ils ont des bons critères, des bons gènes, soit ben, s'il est intéressé, il va vous le prendre, ça vous fera une rentrée d'argent. Ça se passe comme ça en fait. C'est un autre joueur qui l'adopte et ça vous donne l'argent. C'est valable d'ailleurs pour tous les modes du jeu, ça au niveau du marché, ça fonctionne comme ça.
Si vous n'êtes pas en ligne, c'est avec le jeu lui-même qui vous donne une liste d'animaux. Je sais pas, vous voulez des lions, vous allez aller dans le marché, vous n'en trouvez pas, il faudra attendre un petit peu que le jeu rafraîchisse et vous allez au bout d'un moment avoir des lions. Donc faites attention à ça, regardez bien les gènes et tout, mais on le verra aussi. Privilégiez donc de relâcher en premier les animaux dans la nature, dont l'espèce est en danger ou en voie d'extinction. Vous pourrez le voir dans l'onglet qu'on verra dans le prochain live, l'onglet qu'ils appellent la zoopédie, qui est une véritable encyclopédie des animaux qui vous renseignera sur chaque animal, sur les biomes qu'ils aiment, sur les végétations à mettre dans les enclos, sur la nourriture qu'il faut poser, sur la végétation qu'ils aiment avoir, s'il leur faut de l'eau, s'il leur en faut pas, s'il faut des barrières qui sont hautes, basses, ou si les gens peuvent rentrer dans l'enclos ou pas, parce qu'il y a des animaux qui permettent cela, qu'on puisse que les visiteurs puissent rentrer dans l'enclos. Donc on verra tout ça. Et enfin, vous avez après. Qu'est-ce que j'avais noté? Le mode, donc, on a vu le mode carrière, on a vu le mode franchise, le mode défi, lui, il est carrément, c'est un mode hors ligne. Donc là, votre marché des animaux sera rafraîchi assez régulièrement, comme je vous le disais, par le jeu. À vous de saisir l'opportunité, je dirais, de prendre les animaux que vous souhaitez, comme dans le mode franchise, hein, d'ailleurs, pareil, parce que, comme je vous disais, vous les deux lions, vous les voyez, mais vous voulez voir s'il n'y en a pas des mieux, puis hop, vous revenez, ils n'y sont plus. Ben, soit parce que d'autres joueurs les ont pris quand vous êtes en mode en ligne, soit parce que le jeu a rafraîchi, donc ben, vous devrez attendre et vous direz, mince, j'ai raté. Donc à la limite, quand vous trouvez un animal qui vous plaît, prenez-le, adoptez-le, il va être au centre d'échange, et après, tant que vous n'êtes pas dans votre partie, et que vous ne demandez pas que les animaux soient mis dans l'enclos, ils resteront au centre d'échange. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Mais si j'ai un petit conseil à vous donner, n'hésitez pas, quand vous voyez un lion par exemple, mais vous dites, ah oui, mais j'ai pas la flemme femelle, donc j'attends. Vous pouvez le prendre s'il a de bonnes caractéristiques, hein, parce qu'après, vous pouvez trouver un mâle et une femelle, mais ils n'auront peut-être pas de bons gènes ou ils seront trop vieux. Là, il y a l'âge aussi qui compte, il y a énormément de traits qui comptent. Donc prenez. Gardez-le dans votre centre d'échange et quand vous avez fini tout ce que vous avez à faire, vous les mettez dans les enclos. Donc, ne ratez pas vos opportunités comme dans le mode franchise. Sinon, ben, ils disparaîtront de la liste et puis ben, vous les reverrez pas. Tout simplement. Vous devrez aussi, dans ce mode défi, ben, relever des défis qui vous seront lancés, sachant que dans ce mode, l'économie est complète, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite d'argent. Donc voilà, mais enfin, il y a quand même des restrictions, il ne faut pas quand même rêver. Et enfin, le dernier mode du jeu est le plus prisé des joueurs, qui est autre que le bac à sable, le mode bac à sable. Vous devrez créer votre parc de A à Z, laissant cours à votre créativité et à votre imagination. En choisissant un biome, vous pourrez choisir le biome dans lequel vous voulez créer votre parc, votre région, etc. Bien sûr, votre parc devra être fonctionnel, mais ce mode propose à énormément, mais énormément d'heures de jeu, de build avant de lancer votre zoo, de l'ouvrir au public. L'argent y est aussi illimité et tous les éléments sont débloqués, ce qui n'est pas le cas dans les autres modes. C'est-à-dire que tous les éléments de construction que vous avez dans le jeu pour pouvoir faire vos zoos, que ce soit les pylônes, les thèmes, les routes, les murs, enfin tout ce que vous pouvez trouver pour créer un zoo et builder votre propre zoo selon votre imagination et votre créativité, tout est débloqué dans le mode bac à sable et il n'y a pas de limite d'argent non plus. Donc voilà, vous pouvez créer tout simplement votre parc de A à Z en toute liberté. N'oubliez pas quand même quand vous le faites de mettre votre jeu en pause. Donc quand vous allez lancer le mode bac à sable, vous aurez juste une entrée. L'entrée, vous pouvez aussi l'enlever ou la modifier si vous n'avez pas envie qu'elle soit là.
N'oubliez pas simplement de regarder un petit peu avant comment c'est fait et de vous mettre ben, l'entrée des visiteurs. Si vous rasez, que vous détruisez l'entrée qui est faite, préfaite par le jeu, ce que vous pouvez tout à fait faire, et partir sur un terrain complètement vierge, puisqu'il est vierge, mis à cette entrée, qui est commune à tout, à tous les parcs. Si vous avez envie de vous la personnaliser, vous pouvez détruire l'entrée complète, la mettre, ben, je sais pas, là, généralement elle est au centre. Donc si vous avez envie de la mettre à gauche pour gagner du terrain, et déjà là, je peux vous dire que la carte, vous devrez faire votre bac à sable, votre zoo, ou votre parc plutôt, elle est immense, il y a de quoi faire. Donc si vous avez envie de la mettre à gauche pour gagner de la place et que ça ne vous plaît pas qu'elle soit au milieu là, vous pouvez tout à fait le faire et refaire une entrée complètement personnalisable à condition de remettre effectivement le point où les visiteurs pop et évidemment de mettre, après vous mettrez l'entrée où ils payent leur ticket, où vous voulez. Vous pouvez faire par exemple une superbe entrée avec des fleurs, des bancs, des points d'information, et un petit peu plus loin, après être passé sous des grottes, etc., etc., vous pourrez ben, par exemple mettre les tickets, poser vos vivariums, parce qu'il n'y a pas que des animaux en liberté, je dirais, des animaux, il y a aussi des animaux en vivarium, et ce sont des animaux comme les serpents, les araignées, etc., qui ont des habitats qui sont propres à eux, contrairement aux autres animaux où il faut que vous fassiez des enclos. Voilà. Donc, je vais d'ailleurs vous montrer au niveau d'une vidéo le mode bac à sable. Le système du bulde, par contre, est très poussé. Sachez-le, il va falloir une prise en main, hein, surtout si vous n'êtes pas habitué à ce genre de jeu, comme moi, hein. Voilà. Vous m'avez vu bien galérer voilà, pour faire une entrée à peu près correcte de mon imagination et ce que je voulais faire. C'est super poussé, il y a énormément de paramètres qui rentrent en jeu, de nombreux outils qui nous sont proposés, de nouveaux réglages. On peut terraformer, on peut faire des montagnes, on peut creuser des grottes, on peut faire des enclos surélevés. On peut tout faire en fait. On peut tout faire. Vous n'êtes pas obligé de faire votre zoo au sol. Il y a des attractions à mettre, il y a des voitures. Vous pouvez faire tout un trajet. Merci pour ton follow, Duarte. Merci beaucoup à toi. Vous pouvez faire tout un trajet avec des voitures qui font visiter le parc à vos visiteurs. Bien entendu, ne les faites pas passer dans l'enclos des lions. Hein, voilà, sinon ils se font bouffer. Donc voilà, je sais pas si le jeu le permettrait. Vous avez, comme je vous disais, des animaux qui permettent l'entrée aux visiteurs, c'est-à-dire que les visiteurs peuvent rentrer dans les enclos. Et là, à ce moment-là, ben, effectivement, vous pouvez laisser court au niveau bac à sable si vous mettez des paons, par exemple, ou des tortues. Elles vont permettre l'autorisation, mais c'est marqué de toute façon dans l'encyclopédia. Quand vous regardez, vous aurez plusieurs indices sur les animaux, et vous verrez qu'en bas il y a marqué permet l'autorisation des visiteurs dans les enclos, oui ou non. Il est évident que ça ne va pas l'être dans les lions, sinon vous faites bouffer vos visiteurs. Voilà. N'oubliez pas non plus le côté éducatif de vos visiteurs, parce que il y a aussi tout le système de gestion qu'il ne faut pas oublier dans ce jeu. Si vos visiteurs sont pas contents, ce qui va se passer, c'est que vous allez bah, tout bêtement avoir beaucoup moins de monde, les visites vont chuter. Au niveau de vos finances, vous allez avoir une perte d'argent. Peut-être vous retrouvez à déficit, obligé de faire un emprunt, comme je vous disais, qui vous bloque le jeu le temps de l'emprunt, que vous le remboursiez. Pour le rembourser, il faut peut-être que l'argent rentre, et l'argent rentre par rapport aux dons des visiteurs. Donc, vous voyez, vos visiteurs ne sont pas à négliger, bien qu'en priorité, c'est les animaux. Mais enfin, les visiteurs ne sont pas à négliger. Donc, pour les éduquer, pour qu'ils soient contents, ben, tout simplement, il faut pas oublier de mettre des panneaux devant les enclos que vous avez. Avec, par exemple, si vous avez un enclos de lion, vous mettez un panneau éducatif, un haut-parleur éducatif. Vous mettez, quand l'animal est posé dans l'enclos, vous cliquez sur votre panneau, vous choisissez lion, pareil sur le haut-parleur, et ça va diffuser et montrer des images concernant l'animal. Et les gens qui regardent, les visiteurs qui regardent
l'enclos des lions, par exemple, ben vont savoir que le lion, il aime ça, il aime ça, il aime ça, grâce à vos panneaux, grâce à vos haut-parleurs. Et faites ça pour tous vos enclos, même pour les vivariums, tout simplement ben parce que vous allez monter l'éducation de vos visiteurs. Sans oublier non plus que vous aurez assez régulièrement la visite d'une gentille petite enquêtrice que vous ne verrez pas physiquement, hein, mais vous aurez un œil qui va apparaître en haut à gauche de votre écran et vous aurez un message qui vous dira là, l'enquêtrice va arriver dans 6 mois, dans 3 mois, ou l'enquêtrice est là. Et là, je peux vous dire qu'elle ne va pas vous rater, c'est-à-dire qu'elle va vraiment regarder si tout se passe bien dans vos zoos. Elle va aller voir chaque animal, elle va aller voir chaque habitat, elle va tout regarder, elle ne va rien oublier. Et elle va, suite à ça, elle vous fera un rapport où sera marqué ben, ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce qu'elle a noté de bon ou de pas bon. À vous de rectifier avant sa prochaine visite ben, les points négatifs, mais surtout, par exemple, avant qu'elle arrive, si on vous dit qu'elle arrive dans 3 mois, essayez de refaire un tour sur votre zoo. Vous mettez pause, vous refaites un tour. Vous voyez que l'enclos, par exemple, des lions ben, est à 85%. Ben, envoyez le mécano le réparer assez régulièrement avant la visite de l'enquêtrice, que les enclos soient propres. Que le taux de satisfaction des visiteurs est bon, que les températures dans les enclos sont bonnes grâce à la carte thermique, mais ça on le verra lors du prochain live, tout ça, tous ces détails on les verra ensemble. Donc n'oubliez pas ça en espérant que le rapport soit en votre faveur, parce qu'elle peut aussi faire saisir vos animaux. Voilà, donc ça serait dommage quand même que vous ayez vos animaux saisis parce que ben, vous n'avez pas fait ce qu'il fallait. Sans oublier non plus que vous aurez des manifestants qui vont envahir régulièrement vos parcs. Si par exemple vous vous occupez mal de votre zoo, vous risquez d'avoir des manifestants qui se pointent, que ce soit au niveau des vivariums ou des habitats d'animaux, comme le lion, la girafe, enfin tous les autres animaux sauf sur un vivarium. Vous pouvez avoir parce que vous n'êtes pas bien occupé des vivariums, vous êtes centré sur, je sais pas, sur d'autres animaux, vous êtes en train de construire votre zoo. C'est pour ça que je vous dis, on a la possibilité de mettre pause, donc n'oubliez pas de mettre pause quand vous construisez un habitat. Comme ça, votre jeu ne va pas défiler. Il y a aussi un système de jour et de nuit, donc mettez votre jeu en pause, ça vous évitera des problèmes. C'est-à-dire si vous êtes concentré à faire un enclos avec des tunnels souterrains, avec des vues sous l'eau, ou que vous êtes en train de calculer comment vous allez faire votre enclos, si vous avez envie de le faire en hauteur, avec des tunnels ou autre, tout ça c'est possible tellement il y a d'options au niveau build. Ben, mettez en pause quand vous faites ça, ça évitera à votre jeu de tourner, à vos animaux d'avoir des problèmes et vous êtes concentré sur votre truc, vous n'allez pas le voir, ça peut entraîner la mort des animaux, ça peut entraîner énormément de choses, ils peuvent s'échapper aussi, casser les clôtures, ce qui va faire fuir les visiteurs bien entendu, et plein d'autres choses comme les maladies, ils peuvent s'attaquer entre eux s'ils cassent les barrières, enfin bon voilà, donc mettez votre jeu en pause, n'oubliez pas, et ben, si vous occupez bien de tout ça, vous n'aurez pas de manifestants. Le seul moyen de effectivement de pallier aux manifestants, c'est ça. Mais n'oubliez pas aussi d'engager les agents de sécurité, de mettre des caméras de sécurité, ce qui freinera un petit peu tout cela. Je vous le conseille. Voilà, donc on a fait un petit peu le tour de la présentation de ce jeu qui est Planète Zoo. Je vous ai présenté les trailers du jeu. Je vous ai montré le trailer de Planète Zoo. Je vous ai montré le trailer des deux DLC qui existent, le Arctique et le Sud-Américain. Je vais vous montrer maintenant, avant de terminer, la présentation du jeu dans sa globalité. Le prochain live, on rentrera dans le mode carrière. Comme ça, vous comprendrez mieux ce que je vous ai expliqué tout au long de ce live. Donc, je vais vous montrer la vidéo du mode bac à sable. Donc, pour ça, je vais rebasculer sur mon bureau. Donc, on va aller sur le mode bac à sable. Je vais vous montrer en vidéo tout cela. Comme ça, vous verrez
tout ce que vous pouvez faire dans le mode bac à sable. Et si vous allez sur YouTube, vous verrez qu'il y a énormément de zoos magnifiques. Je ne sais pas où ils... le temps qu'ils ont passé, franchement. Quand moi, je vois ce que j'ai fait, je me dis, le gars, il a dû y bosser 2 ans dessus, c'est pas possible. Donc, jetez un œil sur YouTube des zoos, vous verrez que... Il y en a certains, ils touchent en construction. Vous savez que j'aime le build, hein, mais là, franchement, c'est tellement poussé entre le terraforming et tout. Oh là là, et tous les outils qu'il y a, c'est impressionnant. Donc, on va basculer sur la vidéo de présentation du mode bac à sable. Gonna build a mountain from a little hill. Gonna build a mountain, I hope I will. Gonna build a mountain. Gonna build it high. I don't know how I'm gonna do it. I only know I'm gonna try. Donc, vous avez vu un aperçu un petit peu de tout ce qui était possible. On peut faire des escaliers qui montent, on peut terraformer, on peut mettre des ruisseaux, on peut mettre des bateaux aussi qui vont sur l'eau. On peut mettre un petit train qui va faire visiter, ça va faire monter, faire descendre. Enfin, tout est possible. Mais pour ça, je vous inviterai à aller sur YouTube, jeter un œil au niveau de tous ces zoos. Vous tapez création zoo, les 5 plus beaux ou les plus beaux zoos de Planète Zoo. Et vous allez voir, vous allez tomber sur des créateurs de zoos. Waouh, moi je suis restée scotchée devant. Et même si je build beaucoup dans notre jeu, je peux vous assurer que là, par contre, il y a du boulot et je ne suis pas au point du tout. Mais je teste. Et c'est pour ça que vous me voyez depuis un certain temps en live en train de commencer mon zoo en bac à sable. Voilà. Donc, ne pas négliger le mode carrière hein, qui vous débloque les étoiles, comme je vous ai dit, qui sont importantes pour la suite de votre jeu. Le mode franchise, le mode défi. Et quand vous aurez tout ça assimilé, tout ce que ce contenu-là vous donne, je vous conseillerais, à moins que vous vouliez y aller vous-même à tâtons, hein, c'est possible aussi, vous allez directement au mode bac à sable et vous créez votre propre zoo que vous pourrez après partager avec les autres joueurs. Voilà, ben on a fait le tour un petit peu de tout ce que propose ce jeu Planète Zoo. Et vous voyez qu'il y a de quoi faire, hein, parce que carrière, il n'y en a pas qu'une. Vous allez en faire, il y en a une, deux au départ. Si vous les réussissez, que vous avez vos étoiles, ben ça va en débloquer une autre. Et puis, si vous le réussissez, ça va en débloquer une autre. Et ça vous apprend, comme je vous ai dit, à manier le jeu, tous les aspects, la gestion, l'électricité, les employés, les enclos, enfin tout. Donc, ne le négligez pas. Le mode franchise, c'est encore une autre façon de jouer. Le mode défi, il porte bien son nom, c'est encore une autre façon de jouer. Le mode bac à sable, ça en est une autre. Donc, vous voyez, vous avez énormément de choses à faire dans ce jeu. J'espère, en tout cas, que ça vous aura plu. On fera dans le prochain live donc le mode carrière afin que vous voyez un petit peu ce qu'il y a à faire, comment ça se passe, etc. dans ce mode là. On fera un petit let's play là-dessus. Je vais tout de suite rebalancer ce live sur la chaîne YouTube. J'espère en tout cas que vous y êtes abonné. Si ce n'est pas le cas, ben écoutez, vous avez le lien juste en dessous. Je vous invite à aller sur la chaîne YouTube. Vous verrez tous les jeux que je fais en live sur Twitch et que je rebascule après sur la chaîne YouTube. Mais aussi, je me suis mis... alors, vous me direz, oui, mais tu ne faisais pas ça, Chirée, à l'avant. Non, je ne faisais pas avant, mais maintenant, il y a par moments, je vais faire des vidéos comme j'ai fait pour... qui n'a rien à voir du tout, mais avec State of Decay. Je ne pouvais pas le faire en live, c'était pas possible. Donc, je l'ai fait en vidéo. Donc, à ce moment-là, je les poste directement sur YouTube et je ne les mets pas sur Twitch. Donc, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, il y a des vidéos que je risque de faire en présentant des jeux que je ne peux pas faire en live.
vous allez les rater. Donc c'est gratuit, ça coûte rien. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, vous avez le lien juste en dessous de la chaîne YouTube. Et puis ceux de YouTube, eh bien, vous pouvez venir sur Twitch quand vous le souhaitez, me retrouver en live et retrouver ma communauté en live sans aucun problème. Vous êtes les bienvenus et vous pourrez interagir directement avec moi ou avec ma communauté ou me poser des questions si vous en avez. Autrement, ben, je bascule le live sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air, un petit pouce en bas, à mettre vos commentaires. J'ai peut-être oublié certaines choses. J'y travaille depuis un moment, mais je n'ai pas encore tout vu de ce jeu. Je ne suis pas une experte, bien au contraire. Mais voilà, ce que j'ai remarqué, c'est que ben, moi qui débutais dans ce jeu, quand je cherche un tuto ou quand je cherche quelque chose qui m'explique, parce qu'il y a des fois, on vous demande des choses, vous dites, mais attendez, j'ai jamais fait, je ne sais pas comment on fait. Voilà, vous cherchez des tutos, et c'est vrai que ce que je regrette un petit peu au niveau des youtubeurs, s'il vous plaît, les gros youtubeurs qui sont habitués à ce style de jeu, au niveau construction, pour les routes, pour les. Essayez de faire des tutos simples parce que vous faites des speed builds et ceux qui arrivent dans les jeux comme ça et qui ne connaissent pas sont très vite paumés et se disent oh mon Dieu, j'y arriverai jamais, ils abandonnent et c'est dommage. Donc on essaiera de faire aussi des petits tutos à mon niveau. Comment j'ai débuté, les routes, les ponts, comment on fait les ponts, comment on fait une île, comment on fait tout ça. Donc on essaiera de faire tout ça sur la chaîne. Donc on fera un let's play sur la chaîne YouTube, pas automatiquement sur la chaîne Twitch. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et vous trouverez tout cela là-bas. Sur ce, je vous fais plein de bibis, plein de zouzous et on se retrouve très vite pour un prochain live sur Planète Zoo ou autre. Bye bye!